Jean essaie de lire la trajectoire du jeu. Un jour, un thème, il arrive, il me dit « Tu peux pas remettre la balle derrière. » Mais tu joues attaquant. Tu peux pas remettre la balle derrière. C'est-à-dire impossible. Il m'a dit « Tu ne peux pas redonner la balle derrière. » Mais je suis de dos. Et tout le monde me dit comment tu fais ? D'un seul coup, tu te mets trois quarts. Il faut que tu arrives à voir le jeu. Appel contre appel. Est-ce que je peux contrôler tout de suite ? Qu'est-ce que je peux faire ? Garder la balle. Interdiction de redonner la balle derrière. Interdiction de dribbler des fois. Je veux que tu passes ton joueur par un appel. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va être plus rapide que toi, ou aussi rapide que toi, ou aussi costaud que toi. Qu'est-ce que tu as développé ? Je reviens encore une fois. Le joueur qui est lent, le joueur qui n'est pas rapide, tôt développe une vision du jeu, une compréhension du jeu qui est beaucoup plus rapide que celui qui a un atout, puisqu'il utilise son atout. Surtout si son coach amplifie ça pour pouvoir gagner des courses.